Quand on est sur Riche Ranch, terre de la truffe, ben on va aller voir dans une truffière, dans les chênes truffiers, avec ma chienne Aura, qui avait la truffe qu'en provençal on rabassait. La rabasse étant la truffe. Il rate, il rapporte, ça dépend un peu des chiens, quoi. Nous, on va l'aider un petit peu parce que la terre, en fin de saison, il s'abîme les pattes. Ce sont des truffières qu'on a mis en place, quoi. En général, nous faisons nos arbres nous-mêmes, hein, et c'est pas tout à fait le fruit du hasard quand même. Il y a quelques règles impératives à tenir compte. On se fait en général ces plantations, on cultive, hein. La truffe a besoin de certains petits travaux de taille, comme on va travailler un verger. Sur la commune de Richange, qui est une petite commune, hein, de 600 habitants et environ 1300 hectares de terre, tout compris, qui doit y avoir un quart de truffiers. Mais à Riche Ranch, c'est presque une obligation d'être rabassail, comme on dit, quoi. C'est un truc qui se transmet de génération en génération. C'était mon grand-père qui m'a initié, quoi. Lorsqu'on plante une truffière, il faut savoir qu'on va attendre une dizaine d'années avant de récolter. Donc, c'est vrai que c'est un plaisir du chien, le plaisir d'être dans le bois. On ne le prend pas pour un travail, de loin. Le plaisir aussi de la consommer, qui est un produit quand même fabuleux. Ben, moi, je suis vigneron en même temps, donc une omelette de truffe avec une jolie bouteille, c'est fabuleux. Les produits tout simples du terroir. Et puis après, au pire, bon, s'il y a 4 truffes qui sont vendues, ça, c'est pas négligeable non plus, quoi. Ça va payer les croquettes du chien. Ben, à Riche Ranch, le marché le samedi matin de novembre à mars. Le troisième dimanche de janvier, il y a la messe aux truffes où on célèbre Saint-Antoine, le patron des trufficulteurs. Hormis cela, sur le domaine, je fais un peu aussi quelques animations le week-end ou même en semaine. J'ai des groupes de personnes de toute la région de France et ça va être aussi des étrangers. Là, notamment, j'ai des groupes de Japonais qui sont prévus pour cette année. Ça consiste donc à aller dans la truffière avec ma chienne pour leur montrer le cavage, le travail du chien, discuter un petit peu sur les différentes truffes. En même temps, on parle un petit peu de comment la cuisiner, comment l'acheter. Puis après, on rentre en dégustation dans la cave pour goûter les vins, les Côtes-du-Rhône régionales, des vins de garde, quoi, avec des longues cuvaisons, élevés en barrique, des vins puissants, charpentés, quoi.